Alors là, on a Pascal et Jacotte qui font connaissance au volant. Bien sûr, Pascal lui raconte des histoires de Himmer. Jacotte écoute sagement. Ah, là, il parle des plantations. Voilà. Et Jacotte découvre aussi les histoires du Portugal par ici. Elle a trouvé sa place. J'adore.
J'étais là derrière. J'étais là-bas derrière. Oui, ouais, je sais où tu es. Mais je n'allais pas aller te repêcher comme ça gratuitement. Il fallait qu'on te foute la pression. C'est un bisutage, je te rappelle. Il fallait déjà que je prenne mon téléphone. Oui, mais en fait, Pascal a pris ses marques avec Jacotte. Malmenage international. Bisutage, partie 2. Exactement. J'en ai marre. Je veux rentrer. Pascal continue à être notre excellent guide. Choix. Et bien sûr, notre guide, le Jacotte est de moi. Est-ce que c'est un bon guide? Comme ça. Il est que ça, comme ça? C'est tout ce que tu as à dire sur Pascal? Je le recommande. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de défaut, non, rien. Non. Bon, bah alors là, ceux qui connaissent Pascal, ils savent que tu mens. Et j'ai le droit de dire ce que je pense, non? Alors, les faiblesses n'existent pas. Effectivement, s'il y a un semblant de faiblesse, ça vient des autres. Oh oui, c'est ça, vrai. Il y a d'autres questions. Moi, qu'est-ce que t'es con, mignon. En fait, tout à l'heure avec Little, on attendait la morue n'est pas venue. Quelle morue? Ah oui, la bacalao. Oui. La bacalao, parce que je pensais que tu parlais d'elle en tant que morue. Ouais, bien sûr, c'est vachement sympa.